jouer au conducteur de train. Un régal pour Aubin, bientôt 5 ans, et Circé, 3 ans. Ils pénètrent dans l'univers du Train World avec leurs parents, presque aussi émerveillés qu'eux. On est très surpris, c'est un très beau musée. Il y a vraiment une mise en scène qui est superbe. Et puis vraiment une collection qui est assez impressionnante. Des bambins qui ne savent plus où donner de la tête, passant d'une salle à l'autre, découvrant les entrailles de ces mastodontes de fer ou s'improvisant contrôleurs de billets. Bonjour, voilà mon ticket. Tiens. C'est juste ? Oui. Au revoir. Une visite au pas de charge. Il y a tellement de choses à voir que l'on ne prend pas beaucoup le temps de s'attarder. Je trouve vraiment chouette, il est immersif, il y a une vraie ambiance dans ce musée. Et on plonge vraiment dans l'univers du train. Et les enfants, ça a l'air de leur plaire, hein ? Oui, tout à fait. Ils sont enthousiastes, il faut modérer ça, mais oui, c'est chouette. Il faut bien surveiller parce qu'il y a plein de petits endroits où monter ou descendre. Mais c'est ça qui fait la magie de ce musée. Des enfants invités à participer à un jeu de piste à la recherche de la gare du Trésor. Sur les 310 000 visiteurs qui ont poussé les portes du Train World depuis son ouverture, 25% viennent en famille. Aubin et Circé en sortiront des images plein la tête.